Bonjour, ce lundi matin, je vous présente rapidement quelques nouveautés de la boutique. Donc, j'ai rentré des fleurs de chez Prima, toujours la collection Strawberry, donc sur le thème des fraises, avec ces magnifiques fleurs qui sont ourlées. Donc, je vous montrerai, je les ai utilisées sur une couverture d'album avec les papiers de mariage Stamperia. Je vous montrerai ça un petit peu plus tard. Donc, on a au niveau des dies des flocons, donc toujours de chez Gemini Crafter Compagnon. Donc, par exemple, cette découpe de dies fait 8,9 par 10,2. Donc, ça vous fait vraiment un joli dies pour la déco. On prépare Noël, vous pouvez les utiliser aussi en apprend-dentelle, ils sont jolis. Donc celui-ci a une autre forme. Donc celui-ci pareil, 8,9 par 10,2. Ensuite on a cette magnifique bordure, donc de découpe pareil, de feuillage de Noël. Donc là il y a une pièce, ça mesure 18 par 5,3. 18 de haut. Ensuite, on a ces superbes découpes. Alors là, vous avez tout un ensemble. Il y a quatre pièces. Donc, le plus grand fait 13,5 par 13,5. De quoi faire une carte carrée. Donc, regardez, vous avez le premier dies ici. Un deuxième, alors ajouré avec des petits points. Un deuxième cercle à une couronne de feuilles de pin. Ensuite, vous avez une petite couronne à feuilles de gui. Et ensuite, une découpe de feuilles de houx. Donc, tout ça est dans ce jeu de dies. Vous avez la neige qui est légèrement pailletée de chez Stamperia qui est revenue en boutique, ainsi que les flocons que vous pouvez coller soit directement sur la neige avec un couteau à palette, vous en mettez assez épais, ou alors avec du glossy accent ou de la colle. Et il reste donc dans les promotions un flacon de chez Cosmic Shimmer de peinture couleur or irisé. Voilà, faut en profiter, c'est le dernier. Je vous ai préparé un tutoriel de cœur, un attrape-rêve, façon attrape-rêve en fait. J'ai fait une photo de mes petites filles avec Sweetie pendant les vacances et du coup j'ai utilisé ces cercles de cœur que vous avez en boutique, les rubans de chez Prima ici, la collection des fraises. Les deux côtés, les papiers pailletés, les nouveaux de chez Crafter Compagnon Frosty. J'ai mis des fleurs de chez Stamperia, ainsi que les petits die-cuts qui sont dans les collections sur les fraises. Des fraises aussi ici, des fleurs, collection de fraises. Et la laine bubble blanche. Donc, vous aurez le tutoriel mardi prochain. Donc, pas demain, mais l'autre mardi. Regardez ici les dots aussi sur les fraises, si elles sont belles. Vous avez aussi les petits sequins. Vous avez pareil la collection des fraises de chez Prima Marketing avec les petites fleurs, les cœurs ainsi que les fraises. Mais là, j'ai pas mis de fraises sur celui-ci. Voilà pour les petites nouvelles vite fait de la boutique cette semaine. Et bien, peut-être que certaines de vous sont rentrées de vacances, je ne sais pas. En tout cas, moi, je suis toujours là pour vous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.